Salut. Alors, j'ouvre ce vlog. Nous partons au Sable d'Olonne. Alors, express, hein, c'est-à-dire qu'on. Là, il est midi d'ailleurs. On était sur le chemin. Bon, on n'est pas bien loin encore. Mais on a vu un truc, mais qui payait pas de mine. Mais à la fois qui payait de mine. Qui nous a vraiment donné envie. On va s'arrêter de manger. Il est midi, j'ai faim. Donc, on repart demain, genre après-midi. Donc, je vous ai dit, c'est très rapide. Mais j'ai vu sur la météo qu'il pleuvait là-bas. Et je suis partie genre comme ça, j'ai rien, j'ai pas trop de pluie. On va voir. Je crois que c'est les petites tables jaunes qui nous ont donné envie. Il a mis sa chemise hawaïenne. Un coca. Et un petit sandwich. Genre ça, ça te dit toi? Bah viens sinon, mets ton masque, non? Ok, alors... Là, vous me tentez bien. Hop ça. Super, voilà. Merci. Bon. Et c'est pause café. Hop! Faut que je choisisse le bon truc parce que quand on y est allé, là, il y a. On est allé à Bourges. Le café sur l'autoroute, c'était immonde! Immonde! On est près de Nantes, au fait. Ah bah, t'es là, Magnum? On est à 110 km et. On va prendre du coca, j'ai envie de vomir, le café il était tellement pas bon, il m'a retourné le bide. Bon, on va prendre l'essence aussi, accessoirement. Je vais me faire toutes les stations, moi. Après 4 heures de route, nous sommes arrivés. Bon, il pleut, m'en doutais. On va aller directement poser nos affaires à l'hôtel. Et après, je vais quand même aller faire la petite balade comme prévu, voir la mer, l'océan, parce que je crois que demain c'est pourri aussi. Et voilà. Mais je croyais que c'était obligatoire les masques en ville, mais non. Une personne sur deux ne l'a pas, donc c'est peut-être avec des horaires ou le soir. Ok, ouais, donc ça rigole pas, hein. Ah oui, j'ai mis mon truc, il pleuvait, je vous dis. Oui, il est à droite. Oh, elle est grande, ça va, hein. Oui. Oh, mais ils ont mis la clim de ouf, là. C'est triste, hein, de devoir s'habiller comme ça fin août. Mais bon. Et vous savez quoi? Attendez, je vous prends de face. Je suis en train de ranger mes affaires et j'ai complètement oublié. Je vais vous montrer ce que j'avais trouvé à Bourges. Je vous avais dit l'exclu. Eh bien, c'est le Brown Microfilling Pen de chez Benefit. C'est une nouveauté qui sort dans 2 jours, me semble-t-il. Regardez, ça fait, c'est comme ça, en fait. Et ça fait un résultat hyper, hyper naturel. Je l'ai essayé ce matin, franchement. Ouais, mais vous n'allez pas vous rendre compte, moi, ils sont là. D'habitude, ils sont beaucoup plus fins, beaucoup plus clairs et j'adore le rendu. Bon, là, j'ai peut-être un peu déconné, mais ça marche très, très bien. L'embout est comme ça, il y a 3 petites têtes. Le light brown, voilà. Et aussi, donc j'ai retiré, hein, j'ai laissé à la maison les emballages, la fameuse marque qui est très bien, c'est une marque danoise, j'ai un petit peu étudié la chose. Moi, j'ai pris vraiment le sérum, le contour des yeux qui est à la banane. Et la crème de jour, qui fait également crème de nuit, c'est très frais, ça sent les agrumes, c'est à base d'acide hyaluronique, c'est assez clean quand même la compo. Je vais essayer de le dire, Ole Henriksen. Et ça apparemment, ça cartonne aux États-Unis. Bon, je vous explique, je suis sortie de l'hôtel parce que je me suis rendu compte que j'avais oublié le peu de fringues que j'avais pris. Il faut que j'aille me trouver au moins un haut, ça c'était dans la bagnole, mais il est tout abîmé. Il y a quelqu'un qui me dit tu descends, on va te chercher un t-shirt, un gilet, je sais pas. Parce que bon, ça prend pas très sérieux quand même. Je vais me trouver ça et mon objectif évidemment c'est d'aller au bord de la mer, même si c'est pas terrible le temps. Ah, c'est pas la même ambiance que lorsque c'est le soleil, c'est juillet, tout ça. Mais bon, ça fait quand même plaisir, je me fous. Alors ça, j'avais déjà acheté des petits coussins ici. Rien que là. DJ Mode, là, j'avais déjà acheté un truc. C'est pas très cher, allez. Bon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il n'y a pas encore. Je voulais un petit pull robe, un peu en laine, forcément, c'est un peu trop tôt. Priorité à la mer, quand même. Alors, vu le vent, je teste mon nouvel appareil photo avec la bonnette, qui normalement doit... Mais alors là, ça souffle en plus. J'ai le masque, hein, si le son n'est pas terrible, c'est normal. Je cherche toujours une fringue, mais je crois que c'est pas par là. Mais vu qu'il pleut, je me suis dit, bon, on va d'abord voir la mer.
parce que c'est pas gagné. Oh, les petites mouettes, elles m'avaient manqué. J'ai repris mon téléphone. Le monde qui attend, mais non. Je me suis trompée, apparemment, le masque est obligatoire. Et ce soir, nous allons au restaurant. Je savais pas, c'est cool. Là, c'est sympa de boire un petit verre sur la mer. Je vais me tenter celui-là. Allez, oh ben on attend. Il me dit va voir là-bas, Eden Park à Florène, laisse tomber. Non. Il faut vraiment, si on veut rester en plus, non mais il faut que je me trouve un truc à mettre, hein. C'est pas possible. Je vais pas aller au resto avec ce beau t-shirt et puis. Bon bah je vous montre. Petite robe Vendée Globe qui est réglable. Parce que je suis en basket, j'ai oublié mon talon, j'ai tout oublié. Et elle est super jolie en fait. Et il a voulu m'acheter le ciré aussi. Le ciré Vendée Globe. Et lui c'est tout. Ah fais voir. Parce qu'on va au resto, du coup, on s'habille. Il est bien, il est très très bien, très chic. Très chic. Nous sommes sur le point d'aller au restaurant, près du port. On était déjà allé, c'était un très bon restaurant. Il pleut, changé. C'est pas bien grave. Les gens me regardent. C'est ce restaurant. On y va. Effiloché d'ailes dorées aux petits légumes verts. C'est quoi toi ? Tartare de camillot. Alors digérer maintenant, faire marcher. Je suis désolée, mais le port du masque est obligatoire. Je pense qu'on va marcher un petit peu, après on va retourner tranquillement à l'hôtel. C'était excellent, vous avez vu. Le resto César et Rosalie, hyper sympa. Tout mignon tout ça. J'arrive pas. Attends. Pourquoi ça marche pas? Putain, mais c'est la bonne au moins. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Eric est parti voir le problème de la carte. On est allé en bas pour choisir nos petits déjeuners. Demain matin, l'heure, ce qu'on prend, parce qu'avec le Covid, en fait, avant, t'avais comme un buffet et tu pouvais choisir. Mais là, il faut préparer, c'est sur le plateau. Donc moi, je vais le monter dans la chambre. Tu dois noter ce que tu veux, viennoiserie, combien, blablabla. Donc ça, c'est... Voilà, j'espère que cette petite journée vous aura plu. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures. On rentre demain. Demain, en fin d'après-midi, je crois.